Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 janvier 2024 et j'ouvre le second webinaire de la série annuelle Les Galactiques 2024 qui ont tous lieu le dimanche à 17h. Tous les thèmes des webinaires sont de sources extraterrestres vues et racontées par mes contacts extraterrestres, notamment grâce à mon contact principal Zen, directement à l'écrit ou en audio. Ce n'est pas de la télépathie, ce n'est pas de la canalisation. Le thème de la présentation aujourd'hui est la grande expansion et l'arrivée des extraterrestres sur Terre avec leur technologie avancée. S'il y eut sur Terre, dans les temps anciens, des bouleversements chaotiques dont on trouve encore des traces sur des sites archéologiques ou certaines formations géologiques, une grande partie des catastrophes mentionnées dans les textes historiques et sacrés ne sont pas le résultat d'une collision avec une météorite ou avec une petite planète, mais ce sont les conséquences de guerres et de conflits violents entre différentes lignées extraterrestres. Ce sont ces guerres qui ont amené les extraterrestres à finalement atterrir sur Terre. Les bases de données extraterrestres offrent un regard vaste, détaillé et souvent inattendu de l'histoire de la Terre et de l'environnement galactique. Ils ont appelé ces guerres les guerres d'un million d'années et elles ont généré une migration des peuples stellaires vers différents systèmes solaires, dont le nôtre. C'est cette migration qu'ils appellent aussi la grande expansion. On les appelle les guerres d'Orion parce que de nombreuses espèces de la même lignée, de grands gris ou de draconiens reptiliens, ont commencé à prendre possession d'une partie de la Voie lactée depuis la constellation d'Orion. Ils venaient d'un autre secteur de la galaxie, peut-être d'un univers parallèle ou d'une autre ligne de temps. En sortant du trou de ver dans lequel ils voyageaient, ils se retrouvèrent dans la constellation d'Orion. Ils s'y installèrent, commencèrent à créer des bases d'opérations, des colonies, à partir desquels ils se mirent à coloniser les planètes du secteur proche. Ils forment maintenant un empire que l'on appelle l'Empire d'Orion. Ils poursuivirent leur conquête de nombreux secteurs de ce cadran de la galaxie et un jour, ils arrivèrent à la constellation de la Lyre, dont le soleil principal est Vega, et où il y a plusieurs belles planètes que les colonisateurs d'Orion convoitaient. Face à cette force d'invasion, les Lyriens ont fini par fuir leur planète en petits groupes et se cacher dans tous les coins possibles de ce secteur de la galaxie. Cet épisode est connu sous le nom de « Grande expansion de la Lyre ». Ces survivants lyriens sont devenus depuis nos ascendants, les humains sur Terre, les Pléiadiens du système des Pléiades, les Humites de la planète Humo, les Alphratiens de la planète Alphrata ou les Sassanides de la constellation du Triangle. Tous sont catégorisés comme humanoïdes célestes, y compris les Terriens. Les Draconiens reptiliens ont continué à chasser l'espèce humanoïde jusqu'au bord de l'extinction. De la nécessité de survivre et de se protéger est née la Fédération Unie des Planètes, aussi appelée Fédération Galactique ou Fédération Galactique des Mondes. La Fédération est composée de milliers d'espèces extraterrestres et elle a été créée comme moyen de défense contre l'invasion reptilienne et contre l'extinction totale, car certaines planètes ont été tellement dévastés qu'il ne restait qu'une poignée de survivants. À cette époque, l'Atlantide et la Lémurie existaient encore et on voyait toujours Tiamat dans le ciel du matin.
il y avait une colonie lyrienne qui vivait sur Terre, structurée en société holographique. Vous pouvez regarder ma vidéo numéro 22, publiée en 2022, qui décrit ce type de société. Avec l'énergie libre, des aéroports spatiaux, des vaisseaux qui traversaient les cieux, comme l'ont décrit les Upanishads, un texte sacré de l'Inde. Tous vivaient harmonieusement avec d'autres espèces de proto-humains autochtones, comme les Néandertaliens, les Denisoviens et les antécesseurs, qui avaient été implantés par les étortants avant que les extraterrestres ne débarquent, il y a environ 40 000 ans. Tous vivaient en paix et en harmonie à l'époque ancienne de la civilisation pré-Atlantide. Lorsque les Lyriens se sont envolés pour survivre, ils sont arrivés dans les Pléiades, dans le système stellaire appelé Tejet. Ils se sont d'abord installés dans ce système sur une planète appelée Temer. Lorsque l'équipage d'un vaisseau spatial atterrit sur une nouvelle planète inhabitée et inexplorée, ils suivent des protocoles stricts de recherche pour découvrir les dangers auxquels les premiers colons vont devoir faire face. Ils étudient tout d'abord les éléments et produits chimiques présents dans son atmosphère et s'il est possible d'y respirer normalement. La plupart des planètes qui sont apparemment habitables sont mises de côté pour la simple raison que leur composition atmosphérique, même si elle peut être habitée par une vie complexe, sont écartées parce qu'il n'est pas possible d'y respirer. Ensuite, ils étudient la biologie et ils vont rechercher les espèces dangereuses de toutes sortes, en commençant par les plantes et les champignons, leurs spores, le pollen et les graines, et tout ce qui est nouveau et inconnu et qui peut constituer un danger pour les explorateurs et les futurs colons. Ils étudient ensuite les animaux. La planète Temer qu'ils venaient de découvrir était non seulement habitable, mais accueillante à tous les niveaux. Ils s'y installèrent donc et devinrent ce que l'on appelle de nos jours les Pléiadiens Tégétans, dont Zen, mon principal contact, est un commandant d'une flotte et pilote d'un vaisseau spatial. Les premiers colons iriens ont continué, quand ils se sont installés sur Temer, ont continué à explorer les planètes proches. Ils ont découvert à leur grande joie qu'il y avait trois autres planètes dans le système Tejet, qui est un système stellaire binaire avec un soleil central et une naine, et ils découvrirent les planètes Hera, Dakoté et Procyon. Procyon n'est pas le système Procyon du petit chien, Alpha Carnis Minoris, mais la troisième planète du système binaire Tejet. Procyon semblait être une planète accueillante, excepté ses hivers rigoureux et extrêmement froids, un peu comme en Sibérie sur Terre. Ils n'ont pas testé et cartographié la planète comme ils l'avaient fait pour Temer, et non en détail. Un équipage de 50 hommes et 50 femmes, et ils y arrivèrent divisés en deux groupes sur deux vaisseaux spatiaux. Ils installèrent leur camp de base sur une plage près de l'équateur de la planète. Leur camp était fait de structures préconstruites, pliables et modulables, qui s'interconnectent les unes avec les autres, et les premiers jours de leur séjour furent calmes et paisibles, pleins d'espoir à l'idée de cette nouvelle opportunité d'installation, loin des attaquants draconiens reptiliens de la Lyre. Ils ont d'abord été piqués par de grosses guêpes venimeuses agressives et a coûté la vie à deux personnes qui s'étaient enfoncées dans la forêt pour l'explorer. D'autres explorateurs sont ensuite tombés sur un troupeau d'animaux qui ressemblait à des vaches et qui avaient été tués et mangés par ce qui semblait être de grands prédateurs, et les Lyriens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de panthère. Un peu plus tard, les 98 personnes restantes étaient endormies dans leur camp
et ils ont entendu quelque chose qui bougeait à l'extérieur et qui tapait sur les parois, comme s'ils voulaient entrer par effraction. Quatre volontaires hommes sont sortis, armés jusqu'aux dents, pour voir ce qui se passait sous les lumières des projecteurs qui éclairaient le camp. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment sortir qu'un troupeau de grandes créatures carnivores, de la taille d'un ours, avec de longues queues et de grandes gueules courtes, comme des crocodiles, ornées de dents acérées, et qui se déplaçaient extrêmement vite, les attaquèrent. Tous les Lyriens ont été dévorés, excepté trois membres d'équipage qui étaient armés et qui ont réussi à être rapatriés par un vaisseau qui était venu à leur secours. Donc, sur la colonie de 100 personnes, trois seulement ont survécu. Ils ont par la suite étudié ces créatures qu'ils ont appelées des Gunaboules, une sorte de reptile très dangereux. Ils se cachent dans des terriers pendant le jour et ils sortent la nuit pour chasser. Ils représentent toujours de nos jours une menace pour les Pléiadiens Tégétans qui ont finalement réussi à s'installer sur cette planète, comme Kyla de Procyon, donc Kyla, un autre de mes contacts, qui est pilote de vaisseau spatial et ami proche de Zen. À cette époque, sur Terre, se développait cette civilisation lyrienne holographique avancée, des groupes de lyriens qui appartenaient à la civilisation lyrienne qui s'était sauvée pour survivre. Donc ils arrivent dans les Pléiades, ils arrivent dans la constellation du Triangle, et puis ils arrivent dans Sol 13, et enfin sur la Terre. Donc les Lyriens s'étaient déjà installés et formaient déjà une colonie, les Pléiadiens sont ensuite arrivés, et comme les Lyriens, ils ont établi une colonie. Lyriens d'abord, puis Pléiadiens, coexistaient harmonieusement, tout autant qu'avec les proto-humains qui étaient déjà aussi installés. Cette première base pléiadienne, ou première colonie, d'origine Tégète, se trouvait sur Terre, sur un continent, aujourd'hui partiellement submergé, appelé l'Océanie. Ils ont nommé leur base Lémurie. C'était une communauté qui vivait au sein d'une civilisation positive à l'échelle de notre planète. Donc notre société à cette époque-là était une société planétaire. La Lémurie n'était pas seulement une zone géographique, c'était une civilisation complexe composée de multiples colonies. Donc les Lyriens, anciennes colonies, les Pléiadiens et les proto-humains coexistaient en harmonie jusqu'à ce que, chassés de nouveau par les draconiens reptiliens, ils durent se battre sur Terre parce qu'ils sont arrivés ici, les draconiens reptiliens, ils ont aussi atterri ici, et il y eut une grande bataille connue sous le nom par les extraterrestres de Première Guerre Ancienne, où des armes nucléaires ont été utilisées contre eux. C'est pourquoi il y a encore de nos jours des traces de radioactivité ionisante dans certains pays d'Asie ou du Pakistan. Donc ceci se passait il y a plus de 40 000 ans. La Terre a été visitée par d'innombrables races extraterrestres qui ont laissé des traces physiques et leur influence. Les Atlantes, par exemple, qui viennent du système solaire d'Atlas, dans les Pléiades également, sont quelques-uns de ceux qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours, les géants, qui mesuraient 8 à 10 mètres de haut. Les Atlantes ont influencé plusieurs zones de la Mésoamérique et leur dernière visite remonte à, il y a 600 ans, vers les années 1400, dans la région qui est aujourd'hui le centre du Mexique, à Tula, au Mexique, aussi appelée Atlantes de Tula, la capitale légendaire des Toltecs. Ils sont membres du Conseil d'Alcyone et donc de la Fédération Galactique, mais ils ne sont pas revenus sur Terre depuis. Il y avait aussi sur Terre des Pléiadiens du système stellaire Céléano et des colonies andromédienne dans la région qui est aujourd'hui l'Inde,
le Tibet et le Pakistan. Ces races ont semé de nombreux concepts qui serviront plus tard de base à l'enseignement du Bouddha, comme le karma et la roue du samsara. De nombreux êtres bleus, comme Shiva, n'étaient pas des dieux, mais tout simplement des extraterrestres, ce qui explique aussi directement pourquoi les dieux de l'hindouisme ont la peau bleue et que leur espérance de vie dépassait largement celle des autochtones. C'était simplement des extraterrestres de la branche andromédienne qui ont la peau bleue. Nous verrons cette lignée lors du webinaire du 21 juillet 2024 qui leur est consacré. Shiva, cet extraterrestre bleu, s'est battu contre les draconiens reptiliens envahisseurs. Il est dit dans les textes hindouistes qu'il a gagné toutes les batailles, mais il est plus probable qu'il ait succombé sous les armes reptiliennes. La Lémurie restant le seul endroit à cette époque doté d'une résistance voilà, efficace. Voilà, ma présentation est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous laisse la parole. Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Je voulais poser une question concernant du coup la Lémurie. Donc la Lémurie en fait est à la base de la plupart des mythologies, si je comprends bien. Ça dépend de quelle mythologie vous parlez. Uniquement les mythologies hindoues ? Non, il y a plein de lignées extraterrestres qui sont arrivées. Les deux bases principales étaient la Lémurie d'abord, puis l'Atlantide. Dans la Lémurie, il y avait, comme je l'ai expliqué, de très nombreux groupes, communautés qui se sont alliés. Je l'expliquerai dans le webinaire sur la Lémurie et l'Atlantide. D'accord, merci. Je vous en prie. Nadine. Oui, bonsoir. J'ai une énigme. Les géants, ils sont partis ? Comment ça s'est passé ? Il y a eu le déluge, après ils ont disparu ? Alors, les géants, c'est aussi la thématique d'un webinaire. On va parler que des géants. Ah, d'accord. Alors, il faut que vous regardiez, pour ne pas poser des questions en avance, il faut que vous regardiez les thématiques des webinaires, tous listés dans ma boutique https://teamspacenews.boutique. Si vous cliquez sur webinaire et cliquez ensuite sur les Galactiques 2024 et que vous déroulez la page, vous avez toutes les thématiques jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes intéressé par un thème, vérifiez avant que ça ne soit pas déjà le thème d'un webinaire. Et donc les géants, j'en parlerai, c'est listé. D'accord. J'ai une question à vous poser aussi. Quand on est absent d'un webinaire parce qu'on a d'autres choses, un voyage, il est enregistré. Comment ça se passe ? C'est enregistré et il y aura donc un replay qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. Les 15-20 premières minutes en accès libre pour le grand public et la vidéo entière, donc le replay entière à partir du forfait 3. Question de Suzanne. C'est Sylvain. Bonjour à tous. Je laisse savoir, là, on sait que la distance de Témère à la Terre, c'est 422 années-lumière, mais de Témère à aller aux trois autres planètes, de Témère à aller, mettons, à Procyon, Ouéra. C'est un système solaire binaire, c'est-à-dire qu'il y a un soleil principal qui s'appelle Tejet avec une petite naine qui s'appelle Sadiklia. Et Tejet est l'un des 9 systèmes stellaires des Pléiades. Il y a Héra, Témère, Procyon et Dakoté. Les planètes sont plus ou moins éloignées par rapport au soleil Tejet. Zen me l'a précisé, pour l'instant je ne l'ai pas en tête. Elena, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté des Lumériens? Ils sont quelque part sous la Terre. Et une autre question, s'il y avait d'autres guerres aussi dévastatrices que celle d'il y a 40 000 ans, est-ce qu'il s'est passé quelque chose aux alentours d'il y a 12 000? Est-ce que vous avez cette info-là? Parce qu'on a beaucoup d'infos. Aux alentours d'il y a 12 000, il y avait quelque chose d'aussi dévastatrice sur la Terre. La Lémurie a été construite par les Pléiadiens. Avant, il y avait les Lyriens qui étaient là, donc qui se sont aussi rapprochés des Pléiadiens. Donc ça a formé un très grand groupe et c'était un peu l'Atlantide versus la Lémurie. L'Atlantide qui a été
créée par les draconiens reptiliens auxquels se sont joints ensuite d'autres groupes. Par exemple, il y a des groupes de pléiadiens ou de lyriens qui ont rejoint les draconiens reptiliens. Donc ça a été vraiment une civilisation très diverse, très variée. Et il y a 12 000 ans, 12 500 ans, c'était lorsque les Andromédiens ont amené la Lune, qui est une biosphère artificielle, qui a une partie naturelle, et puis qui est en dessous un vaisseau spatial, hein, ça s'appelle une biosphère, en haute orbite terrestre, pour remplacer Tiamat, qui s'était désintégré à cette époque. Ils l'ont amené 500 ans après, à peu près. Et là, ce sont les très grandes guerres anciennes dont m'ont parlé mes contacts. Sonia. Bonjour Tim, ça va bien? Oui, ça va très bien Sonia, merci. Vous aussi? Oui, merci beaucoup. Moi, je suis de Québec, du Canada. Et puis, je voudrais juste vous dire que vous m'impressionnez beaucoup et merci vraiment pour votre travail. Vous avez une mémoire phénoménale. Ensuite, j'ai quelques questions. Merci beaucoup pour vos compliments, ça me touche beaucoup. Et que vous me suiviez depuis si longtemps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes et différentes de ce qu'on peut trouver habituellement sur l'Internet ou sur YouTube, pour la simple raison que ça vient directement d'extraterrestres. La source n'est pas du tout l'Internet terrestre. Déjà, ça paraît très étonnant, mais aussi ça paraît presque, je dirais, complètement logique. Quand on nous raconte ces histoires, et quand Zen m'a raconté toutes ces histoires, brusquement, tous les morceaux de puzzle de l'histoire ancienne terrestre se sont mis en place parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Par exemple, il y a des zones entières géologiques qui sont comme de la pierre fondue. Or, dans notre histoire ancienne, enfin celle qui nous a été présentée, les humains modernes n'avaient pas cette capacité de construction, d'armement, de pensée, de connaissance du cosmos. Enfin, c'est invraisemblable. Même lorsque, dans les textes anciens, lorsque l'on présente les Pléiades, dans les grottes, il y a quelquefois des informations qui vont au-delà des scientifiques qui n'ont découvert les Pléiades, par exemple, il y a plusieurs centaines d'années. Avant ça, il y avait déjà des inscriptions dans les grottes de Lascaux, par exemple, où des systèmes stellaires entiers étaient décrits. Or, nous n'avions pas encore à cette époque le matériel nécessaire pour le découvrir. Tout cela, ce sont des preuves que l'histoire que l'on connaît ne correspond pas tout à fait à ce que l'on voit. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses qui sont inexpliquées. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'expliquer avec les connaissances scientifiques modernes qui sont plutôt récentes par rapport à tout cela. Une autre question, et vous pourrez revoir, Sonia, le premier webinaire quand je le publierai sur ma chaîne YouTube. Donc, posez une question, s'il vous plaît. Merci, j'ai vraiment hâte. Et puis, ce que vous venez de dire, là, ça vient me chercher parce que oui, j'enquête beaucoup là-dessus. Puis c'était exactement ma question, s'en allait là. C'était sur la Terre, vous avez parlé qu'il y a eu des guerres, puis il y a encore des preuves et tout. Est-ce que les montagnes ont été créées par les personnes qui faisaient des trous sous la Terre avec les lasers? Les déserts, est-ce que c'est réel de la Terre ou ça a été quelque chose dû aux guerres? C'est quoi un petit peu les preuves qu'il y a eu des guerres ici sur la Terre? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont des choses naturelles, mais les guerres, ces guerres qui ont commencé il y a 1 million d'années, ont abouti à une guerre extrêmement violente sur Mars. La force de frappe et les ondes ont complètement déstabilisé tout notre système solaire, de Mercure à Neptune. Et donc, à la suite de ces guerres, eh bien, les extraterrestres, ce qu'on appelle des extraterrestres, sont arrivés sur Terre, et c'est cette arrivée qui est le thème d'aujourd'hui. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Louisa. Vraiment passionnant tout ce que vous nous transmettez. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer que nous sommes tous des proto-humains? Et est-ce que aussi on peut considérer que
nous avons vécu avec ces lignées extraterrestres, ou est-ce que dans d'autres vies, nous avons pu être aussi ces extraterrestres? Merci, Tim. C'est-à-dire que les thématiques des webinaires sont listées dans ma boutique, donc il faudra que vous les regardiez pour voir s'il y a des choses qui correspondent à vos interrogations. Nous parlons des origines, un webinaire où je vais aborder justement les catégorisations que font les extraterrestres des terriens et de toutes les personnes qui vivent ici sur Terre. Donc il se peut qu'à ce moment-là, j'aborde cette question, mais nous sommes les descendants de tous ces extraterrestres. Nous ne sommes pas seulement des proto-humains, les néandertaliens, etc., parce que petit à petit, des Elohim, vous savez, les anges déchus qui sont tombés sur Terre et se sont reproduits avec des femmes humaines, eh bien, ça fait partie de cette histoire, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous avons en nous, d'après Zen, l'ADN de 22 lignées extraterrestres. C'est ce qui rend les terriens extrêmement intéressants pour les extraterrestres, mais aussi extrêmement difficiles à gérer. Autre question, Michael ? Alors, juste deux questions. Concernant la technologie, à un moment, vous aviez parlé du fait que pendant les guerres avec la Lémurie, la technologie nucléaire provient des reptiliens ? Toutes les lignées extraterrestres à ce moment-là avaient une puissance de frappe qui était supérieure à celle que nous possédons de nos jours. Ils avaient déjà l'énergie libre, ils avaient l'énergie 2.0, ils avaient les connaissances des armes plasmiques, les armes muoniques, c'est plutôt récent, je dirais, mais ils avaient toutes ces capacités que nous n'avons même pas encore de nos jours. Ils l'avaient déjà à cette époque-là, et ça existait sur Terre à cette époque-là. D'accord. Et du coup, qu'en est-il en fait de la revendication justement des reptiliens? Puisque selon l'histoire que vous venez de raconter, les Lyriens étaient là en premier. Enfin, si je me souviens bien, lors d'un précédent échange concernant les contrôleurs, ceux qui sont extraterrestres, les reptiliens avaient des revendications comme quoi ils étaient les propriétaires en fait de la planète. Et oui, mais c'est parce qu'ils l'ont conquise après. Par exemple, si vous achetez une maison sur un terrain, ce bien vous appartient. Ça n'appartient plus au propriétaire précédent. Donc dans des guerres, et comme on le voit encore de nos jours, par exemple avec les guerres actuellement en cours, lorsqu'un territoire est conquis, il appartient aux gagnants. Donc les reptiliens ont conquis la Terre complètement. Il n'y a plus de Lyriens qui habitent ici sur Terre, nous sommes leurs descendants. Il n'y a plus vraiment de Pléiadiens, il y a de petites bases, mais il n'y a pas de population entièrement pléiadienne ici sur Terre. D'accord, donc c'est la force qui prime, quoi. Bien sûr, c'est la force de frappe, c'est la force armée. Les draconiens reptiliens qui ont envahi la constellation de la Lyre et ses planètes, heureusement qu'ils ont été aidés par d'autres lignées pour retrouver une partie de leur planète, la Lyre occupée à moitié par les Lyriens et puis la moitié par les Urmas, c'est-à-dire la lignée féline. Mais les reptiliens, ce sont aussi les draconiens reptiliens qu'il ne faut pas confondre avec les draconiens, les alpha-draconiens qui sont des genres de dinosaures, tandis que les reptiliens draconiens sont des genres de crocodiles bipèdes. Eh bien, ils se sont installés partout et partout ils ont conquis le territoire, ça leur appartient. Nous sommes une société ici sur Terre de type reptilien draconien. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui. C'est notre société actuelle, reptilienne draconienne. D'ailleurs, on dit que les temps, on peut vivre les temps où les choses peuvent être draconiennes. C'est pour une bonne raison. Oui, mais la société que nous vivons actuellement, dans laquelle nous évoluons, elle est d'origine draconienne. Du coup, puisqu'on fait partie, en fait, j'ai l'impression que qu'on fait partie de l'Empire d'Orion, j'aimerais savoir quel est le sens, en fait, de l'intervention extraterrestre, en fait, des autres extraterrestres ici. Alors, nous ne faisons pas partie de l'Empire d'Orion. Nous sommes une, entre guillemets, propriété. La planète Terre est en fait, ou une partie du système
solaire Sol 13, notre système solaire, est donc la propriété en partie des reptiliens draconiens. Un peu comme dans une grande propriété où il y a un château qui serait l'Empire d'Orion, eh bien vous avez diverses maisons qui pourraient, qui sont occupées par des locataires, mais la maison appartient au château. Alors, du coup, non, parce que du coup, par rapport à ça, je me demandais quel était le sens en fait de l'intervention des autres lignées extraterrestres. C'est de libérer la planète des mains ou de la propriété des draconiens reptiliens. Ok, d'accord. Sonia? Oui, j'avais une question au sujet des premiers humains, en tout cas, et toute la race et toute notre descendance, mais vous y avez répondu tantôt, c'est parfait, c'est vraiment très, très, très intéressant. Mais je reviens encore avec ma question tantôt. Vous dites qu'il y a encore des preuves sur Terre avec les trous, puis je sais que j'ai entendu dire que les déserts, c'était pas normal, que c'était, ça avait été créé, que c'était pas comme ça avant. Je sais pas, ça a-tu rapport à ça? J'aimerais savoir un peu comment est la Terre présentement, mais comment qu'elle était avant, genre, tu sais, ça, je sais pas. Le canyon, je sais que c'est pas réel non plus. C'est ça, juste me dire un peu qu'est-ce que c'était avant, puis aujourd'hui, avec les guerres qu'il y a eu, ben ça, c'était pas là avant. C'est le genre de questions que je cherche. Vous reposez les mêmes questions et toutes les réponses sont dans le premier webinaire auquel vous n'avez pas pu assister, mais toutes les réponses sont déjà dans ce webinaire-là. Donc, il va falloir que vous attendiez pour avoir ces réponses, que je publie la vidéo que vous pourrez regarder à ce moment-là et vous comprendrez, vous verrez que toutes les réponses à vos questions y sont. Christophe ? Oui, je voudrais vous poser deux questions. La première fait suite à la question précédente. Pourquoi l'alliance extraterrestre peut-elle retirer les reptiliens de la Terre ? Et la deuxième, existe-t-il encore sur notre plan des reptiliens ? Sur le plan physique. Il y a déjà une grande partie des draconiens reptiliens qui habitaient dans des bases souterraines qui ont été complètement annihilées dans des guerres violentes aussi. Une autre partie a été exterminée alors qu'elle essayait de survivre et de s'envoler de la Terre par des alliés attaquants. Et une autre partie a été faite prisonnière avec la possibilité d'être relogé sur une autre planète. Et il y a effectivement une planète dans l'Empire d'Orion. Donc la Fédération galactique a sollicité l'Empire d'Orion pour renvoyer chez eux tous les reptiliens draconiens qui vivaient ici sur Terre et qui avaient été faits prisonniers. Et une grande partie est retournée sur cette planète. Ils sont rééduqués à vivre dans l'espace. Louisa ? En fait, je me posais la question à savoir quelle était la fonction des reptiliens draconiens. Leur mission, c'est d'asservir et de piller. Et est-ce qu'il existe d'autres factions extraterrestres qui sont dans ce même état d'esprit ? Ça fait partie de leur caractère. C'est une lignée qui est colonisatrice. Et vous voyez que sur Terre, les terriens, on les apprend à évoluer de cette manière aussi. Vous voyez bien ce qui se passe actuellement sur la planète. Ça ne se passe qu'au niveau des territoires et des continents ou de certains pays. Mais lorsque les lignées, donc les sociétés deviennent interstellaires, c'est-à-dire avec la capacité d'évoluer dans le cosmos, normalement, les lignées non colonisatrices ne vont pas accepter les colonisateurs. Donc, comme l'état d'esprit des reptiliens draconiens est état d'esprit conquérant, colonisateur, et ils le feront au prix d'énormes dévastations et des tueries en masse, hein, vous voyez, sur Terre, c'est exactement le même système. Eh bien, les autres lignées ne vont pas permettre à une civilisation de quitter sa planète
si les habitants ne sont pas dans un état d'esprit, d'ouverture d'esprit, de spiritualité, d'harmonie, de paix, de sérénité, etc. C'est pour ça aussi que les terriens sont confinés sur Terre. Ça n'est pas une mission ou une fonction, c'est tout simplement leur caractère, comme sur Terre. Hein. Les terriens sont assez comme ça aussi, parce qu'on les apprend comme ça. Ça ne veut pas dire que les terriens sont nés comme ça, ça veut dire tout simplement que ça s'apprend. Louisa ? Est-ce que vous pouvez apporter un peu plus d'éclaircissement ? Vous avez dit que certains avaient été prisonniers, étaient renvoyés sur leur milieu d'origine et devaient apprendre à vivre. Je n'ai pas tout à fait saisi... Dans leur système stellaire et à la manière dont on vit dans l'espace sur une autre planète que la Terre. Parce qu'ils sont ici depuis des milliers d'années, ils ont des familles, des enfants, et donc ils sont éduqués selon les systèmes ici sur Terre. Lorsqu'ils sont renvoyés dans l'espace et sur une autre planète, même si c'est une planète de leur lignée, ils doivent réapprendre à vivre selon ces sociétés. C'est un peu comme si vous, on vous délocalisait, on vous amène en Chine. Par exemple, votre lignée familiale vient de Chine, on vous ramène en Chine pour apprendre à vivre comme les Chinois. Donc, vous devez vous réadapter. Agnès ? Est-ce qu'il reste encore des reptiliens draconiens sur Terre ? Et si oui, est-ce qu'ils sont nombreux encore ? Il y en a encore, mais ils ont développé aussi une manière positive de voir les choses. Et ce sont eux qui sont les vrais contrôleurs. Elena ? Pourquoi les extraterrestres veulent libérer les terriens ? Pourquoi ils ne respectent pas le libre arbitre ? On a parlé un peu de ça et j'ai bien compris qu'il y avait cette position de laisser les terriens de se développer eux-mêmes. Et là, si je comprends bien, il y a une tentative ou la volonté de nous libérer. Est-ce que c'est bien ça ? C'est assez complexe parce que d'un certain côté, il est vrai que vous avez le libre arbitre, mais vous êtes né dans une société qui est entièrement contrôlée par une lignée qui n'est pas la vôtre. Est-ce qu'on peut appeler le libre arbitre, ce libre arbitre qui évolue, qui se développe au sein d'une société qui ne vous appartient pas, qui n'est pas la vôtre, et au sein de laquelle vous n'allez pas pouvoir développer vos propres capacités, puisque la société terrestre est structurée sur la société qui vient des reptiliens draconiens, et donc vous vivez dans une société qui n'est pas la vôtre, qui a été construite pour vous, dans laquelle vous vous êtes développé sans jamais vous poser de questions, même encore maintenant. Et puis, au sein de cette société, c'est un peu comme si on vous mettait dans un environnement, on va dire une prison, dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire des tas de choses à l'intérieur de cette prison. Néanmoins, cette prison n'a pas été construite par vous, elle a été construite par quelqu'un d'autre. Alors, peut-on dire, dans ce contexte, d'une lignée extraterrestre qui est vraiment au-delà, en termes de capacité interstellaire, capacité d'armement, capacité de contrôle, bien au-delà des capacités terriennes, qui auraient dû se développer de manière normale, comme structure adaptée à une lignée qui se développe naturellement. C'est-à-dire, si la Terre n'avait pas été mise dans une bulle électromagnétique où ces structures draconiennes ont été développées, comment la société terrestre aurait-elle évolué ? Aurait-elle évolué de la même manière, sans contrôle, sans le contrôle d'une autre race extraterrestre ? De tout ce qui existe ici. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'on peut encore dire que vous avez votre libre arbitre ? Ça, c'est la question à vous poser. Alors, dans ce cas-là, la famille dans laquelle je suis née, ce n'est pas la famille que j'ai construite. La société dans laquelle, dans le pays dans lequel je vis, ce n'est pas le pays que j'ai construit. Je subis de toute façon le conditionnement de l'extérieur. Mmh. Alors, c'est un peu le même contexte aussi dans notre vie. Mais on évolue quand même, hein. Et que après il n'y a pas de l'État, il ne peut pas se permettre, ou la famille ne peut pas se permettre, jusqu'à un certain point, de me libérer de mes croyances.
voilà, je peux ne pas être d'accord, mais par exemple, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir de me libérer de mes croyances, de dire que voilà, je ne suis pas d'accord avec tes croyances, je te libère. Après, il y a des lois qui peuvent mettre les gens en prison pour les pensées et autres, mais que c'est un peu en bas comme en haut. Oui, mais dans ce contexte, Elena, et ça sera mon dernier commentaire par rapport à votre question, il faut vous poser la question de est-ce que je possède un libre arbitre? Est-ce que mon arbitre est libre? Louise. Je voulais savoir par rapport à la question précédente, est-ce que ça signifie qu'en fait, on est réincarné malgré nous? On revient ici en étant péché après le passage pour revenir, parce qu'on pourrait avoir le choix. Mais ne sachant pas et étant ignorant, on peut être manipulé et puis revenir sans notre consentement, vraiment, notre libre arbitre, puisqu'on est ignorant et on ne sait pas. Alors de nouveau, c'est une question comme la précédente qui n'appartient pas à ce webinaire, donc on parlera de tout cela au moment où je parlerai des starseeds, c'est-à-dire des émissaires stellaires qui sont ici envoyés sur Terre ou qui sont venus de leur propre gré depuis un autre système stellaire. Michael, une autre question ? Oui, vous avez dit lors de la présentation que dans notre ADN, il y avait de nombreuses lignées. Quelle importance dans cette, je ne sais pas si c'est oui, libération ou dans le choix des stellaires de venir sur Terre ? C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien le point central de votre question. Le fait qu'il y ait dans notre ADN toutes ces traces en fait, extraterrestres fait que quelque part, en fait, on appartient à toutes ces lignées. Est-ce que ça a joué dans la raison qui fait qu'ils sont là maintenant pour tenter en fait, de libérer la planète ? Ou alors que, je ne sais pas, il y a peut-être une autre cause derrière, je ne sais pas, que ce soit les ressources, que ce soit ou d'autres éléments. Alors, ce ne sont pas les ressources, parce que les ressources, ils en ont plein ailleurs. La Terre n'est pas la seule planète. Il y a des milliards et des milliards de planètes dont ils peuvent tirer des tas de choses. Vous ne faites pas partie de 22 lignées extraterrestres. Elles font partie de vous. Donc, votre ADN transporte une partie de chacune de ces lignées. Ensuite, il y a aussi une différence avec les starseeds, c'est-à-dire les personnes qui se sont volontairement incarnées ici sur Terre pour différentes raisons, avec différentes intentions aussi. Il se peut que vous soyez réincarné ici pour jouer justement un rôle dans la libération de la planète et le retour à son originalité, c'est-à-dire le développement d'une société qui correspondent aux terriens plus que aux reptiliens draconiens. Posez-vous la question, quelle serait la société au sein de laquelle vous aimeriez vivre qui ne serait pas la société actuelle ? Christophe ? Oui, bien, je fais suite à la question de Michael. Précédemment, vous avez dit que cet ADN particulier que l'on a et a rendu notre colonisation, si je me souviens bien, assez particulière que nous n'étions pas gérables. Je crois que c'était vos termes. Donc, bon, je trouve que c'est une remarque très intéressante. Est-ce que vous pouvez la développer ? Et d'autre part, est-ce que cet ADN nous confère des qualités particulières que le commun des mortels ignore et que l'on pourrait développer ? Il y a différents types de populations sur Terre catégorisées par les extraterrestres, dont je parlerai aussi lors d'un webinaire futur. Ce sont pratiquement tous les terriens qui sont des humanoïdes célestes, c'est-à-dire qui ont un corps, un tronc avec une tête, deux bras, deux jambes, 10 doigts, 10 orteils, sont tous quasiment descendants des lyriens. Est-ce que cela donne un statut particulier à la Terre ? Par rapport aux extraterrestres, oui, non pas parce qu'ils considèrent que les terriens font partie de leur famille, d'ailleurs 22 lignées humanoïdes en principe, eh bien ça fait beaucoup de lignées extraterrestres. Donc ils ne pensent pas que vous êtes
leurs descendants directs. C'est très complexe à cause de ça. Par contre, tous les starseeds, c'est-à-dire les personnes qui se sont incarnées ici sur Terre volontairement, avec un plan bien défini et des fonctions et des missions bien définies, là, oui, les extraterrestres considèrent que c'est leur famille, c'est d'ailleurs des membres de leur famille, souvent, qui sont ici en mission sur Terre, et là, ils vont s'en occuper plus que les autres. Est-ce que cela répond à votre question, Christophe ? Oui, oui, je vous remercie. Sonia ? Je voudrais juste que vous m'épeliez Starseed, parce que je fais une recherche, moi je suis vraiment enquêteuse, hein? Puis je recherche beaucoup, beaucoup, puis je pense que j'en suis une galactique. Est-ce que vous pourriez m'épeler Starseed, s'il vous plaît ? Alors, Starseed, star, c'est comme étoile, c'est un mot anglais, des graines d'étoile. Star comme étoile, S-T-A-R, et seed comme une graine, S-E-E-D, et avec un S au pluriel, bien entendu. Merci. Je vous en prie. Il ne reste plus de questions. Je vais mettre un terme à ce webinaire. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Nous nous reverrons ici dimanche prochain, le 21 janvier, avec une thématique qui va vous intéresser aussi, qui est bien entendu la Lémurie et l'Atlantide. Bonne soirée et bonne semaine !